Yes. J'ai fait plein de combos, je sais même pas comment j'ai fait. Alors on va aller discrètement. Oh, un autre, pas beau. Il part avec son caillou. N'attaque pas un monstre avec une arme émoussée. Tes attaques auront peu d'impact et seront repoussées. C'est bien ce que je me disais, c'est pas pour, c'est pas pour rien que je l'aiguise. Du coup, je me demande un peu à quoi ça sert de sentir les empreintes, vu que de toute façon, on a des lucioles magiques qui nous indiquent le chemin. Mais bon. Alors, il est au-dessus de moi, a priori. En tout cas, là, on se rapproche du nombre d'empreintes. Ecofact. Il y en a partout, il y en a partout. Prends bien ton temps, mon coco. Bim. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement un monstre même sommé aurait tendance à taper dans le vide pour se défendre. Et du coup, faut quand même se méfier. Partie détruite. Je ne sais pas du tout quelle partie vont me détruire encore. Et vu que la première, j'étais pas bien sûr de moi. C'est trop bien comme arme parce qu'il a mon chat. Il balance des boomerangs magiques. Pas magiques, non, mais... Ah bah c'est un fil de marteau, je sais pas quoi, et j'envoie des boomerangs. Ah, c'est à ça que ça sert la petite guêpe. Il les libère pour que je puisse me régénérer de santé. Bim. Je t'ai rassuré. Pas trop les kiki de la manette, ça sera sûrement moins agréable que ça n'en est. Autant je commence un peu près à voir ce que je fais dans les verres, autant s'il y a lui qui me saute dessus, on n'est pas rendu là. J'ai déjà plus de... Faut que j'élise de nouveau mon arme. Heureusement qu'il est illimité. Hein. Oh, des jolies peintures. Aux deux tiers de ce truc de symbole, je sais pas du tout combien il va me manquer, encore un a priori. Ah mais là on pourra refaire. On a encore un du coup. On va bien voir si je trouve ce que je veux. Alors et ça c'était quoi cette boule de feu? Capsule perforante. Ça c'est une capsule perforante, une puissante munition capable d'endommager l'épaisse cuirasse des monstres. Ce sera mieux que mes petites noix là qui font pas grand chose. Alors, on va glisser un petit peu. Touk, touk, touk.
cliquer. Ah, il a l'air. Il est parti où? Il me fonce dessus. Non, c'est pas lui qui me fonce dessus, c'est l'autre gros. Ah, mais si, il me fonce dessus aussi. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Comment on a mis? Voilà. Bim. Bon travail avec ce coup, Yaku. Ah, j'ai fini comme ça, c'est moche. De la carte du monde pour qu'on puisse rentrer. Quoi, ah, je croyais qu'il y avait rien à récolter, je me disais que c'était bien la peine. Merde, je voulais pas du tout aller là-dedans. Je sais même pas ce que c'est cette page d'ailleurs. Revenir à ce produit. Configuration, option du contrôleur, ouvrir le clavier, c'est la page de Steam, ok. Via la manette. Eh bien très bien. J'ai récupéré son bec en même temps, ça c'est bien. On va aller voir ce que c'est ce point d'interrogation. Alors, un peu par là. Donc, tout évident, ça ne doit pas être au même étage. Oh, nouvelle zone de découverte. Et du coup, maintenant, il veut que je retourne, je sais plus où. Tourner là-bas. J'ai essayé de capturer ces monstres quand même. C'est ça me tracasse. Allez, on y retourne. Et par là. Bah. Si tu me dis que c'est par là, je te crois. Hein. Alors, est-ce que ça va se voir? J'envoie les SMS en même temps. Non. Pas du tout. Sauf si je tape dans le micro, évidemment. Ça peut être grillé. Pardon, poussez-vous, excusez-moi. Je ne fais que passer. Alors. Hop. Est-ce qu'il veut me reparler de monsieur ou est-ce qu'il est reparti, reparti? D'accord. Lui s'est cassé. Très bien. Alors, maintenant que je suis revenu ici, on va reprendre le filet de capture. Est-ce que je peux de nouveau récolter ça? Non. Ah si. Ça se régénère vu que je pense que c'est parce que je suis en expédition que ça a le temps de se régénérer. Alors dans une mission classique de chasse, j'aurais pas eu cette opportunité. Alors... Allez, allez petit, pose-toi. Approche-toi. Allez. Et lui là, est-ce qu'il va se rapprocher un peu plus? Bouf. Ah, lui se pose là quasiment. Y'a rien. Y'a rien, je te dis. Il va venir se poser là, je le sens. Je le sens. Allez, viens voir. Non, mais non. Mais non. Mais reviens. Ça peut durer. Ah, et si il est flashé. Voilà une idée qu'elle est bonne. Est-ce que ça marche sur... Ah, si. Non. Je sais pas ce que je fais tout à l'heure. Il te faut des munitions pour ta fronde. Mais non, c'est pas la fronde que j'utilise. Mais non! Mais c'est le filet que je veux utiliser, qu'est-ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure? Mais non! Je veux pas le frapper! Je sais pas si je fais les choses comme il faut.
sais pas du tout comment je suis censé attraper. Est-ce que je peux le taper en étant accroché? Non. Bah, je crois que la zoologiste elle attendra de trouver un autre chasseur plus doué que moi. Je sens qu'il va me lâcher à une hauteur monstre. De manière à me tuer. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est bien ça si tu me ramènes chez toi. Allez, je vais descendre là et je vais aller tuer ta famille. Pour te remercier. Emballé, c'est pesé. On peut rentrer dès que tu veux grâce à la carte. Non. J'ai de la viande crue normalement. Saignant, c'est moins bien. On va échanger avec ça. Si, avec ça. Oui. Ah, mais ça se trouve, le piège de liane était beaucoup plus haut que ce que je pensais. Foudre insecte. J'ai pas de place, les gars. J'ai pas de place. Place des noix, là. Du miel, il m'en faut, c'est pareil. Là. Retournons aux choses sérieuses. Comment je fais? Non. Toujours pas ça. Oh, mais j'ai pas de place, les gars. B mystérieuse qui guérit divers fléaux. Tu m'en diras tant. Putain, je sais plus sur quoi j'appuie. Ah, je sais plus. Je confonds la fronde. Et de toute façon, j'ai pas de munitions pour la fronde, donc comme ça, c'est réglé. Et eux là. Ah, mais c'était bien ça, je sais pas ce que j'ai fait. Est-ce qu'il faut pas que je reste appuyé au moins? Non, a priori non. Est-ce qu'il faut que je les affaiblisse avant de leur jeter le filet? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, et je ne sais pas. Oh, ça sent une mauvaise idée. Ah d'accord, je suis immortel. Trop facile. Bon, on va retourner à ce terrain. On va arrêter les bêtises. Et on va retourner... Non. Carte du monde. C'est ça que je cherche. Astera. Ouais, on va aller au marché tant qu'à faire. Parce que je pense que j'ai 2-3 trucs à vendre. Alors, est-ce que je peux faire tout prendre sachant que j'ai plus de place? Ouais, ça ira dans le coffre. Allez. Le palico il continue de monter. Hein. Ok, nouvelle cinématique. Livraison complétée, le grand soleil. Et ma foi, on a fait 2-3 trucs. On a bien avancé sur 2-3 points. Hein. Alors, nous venons tout juste de l'aménager, tu peux t'en servir comme bon te semble. Et maintenant, je sais de quel bois tu es fait, j'espère pouvoir te convaincre d'accepter plus souvent les tâches dont j'ai la charge. Cool. Alors, est-ce que je peux vendre des trucs au monsieur? Bonjour monsieur. Hey. Oui, je viens au bazar pour vendre. Parce que je n'ai plus de place. Tout simplement. Alors, elles sont utilisées pour fabriquer des munitions, ça tombe bien. J'en ai pas besoin. Voilà, 40 d'un coup, ça ira plus vite. Donc pour les curieux, j'ai fait flèche de droite au lieu de flèche du haut. Stack à poids, on garde. Temporairement la défense, on garde. On garde, on garde. On s'en fout. Concrètement. On s'en fout, on chasse pas avec des munitions. Alors...
Munitions de type aquatique. On vend. Piège électrochoc sans garde. Poudre à canon, on vend. On vend. Ça prend de la place et c'est pas très utile. C'est les cas du coup qu'elle est avec. C'est ça que je pourrais vendre, je pense. Avec des herbes de feu pour fabriquer des poudres à canon de niveau 2. A priori. Fabrication d'explosifs. Ah, pas forcément des munitions pour le coup. Ça, je sais toujours pas à quoi ça sert. Sushi poisson restaure une petite quantité de vie et arrête les hémorragies. Et donc ça, c'est pour aiguiser. Donc là, on est pas mal. Est-ce que je peux vendre tout ça? Bah, nickel. Non, quoique, les munitions. A priori, c'est pas gênant que je sois plein. Alors, depuis le coffre, voyons voir, voyons voir. Tout ça, c'est déjà tout ce que j'ai créé. Entre ce qu'il y avait par défaut, plus ce que moi j'ai eu en trop sur moi. Alors, claque, tenacité. Noix de feu, bon, dans la puissance de feu. Touk touk touk, un éclair aveuglant. Rien que ça. Potion secrète, les couteaux de lancer. Ok. Alors là-dedans, tout ça je garde pour moi. Hein. J'ai de la place après tout. J'ai de la place, donc je garde. Et donc, comme on fait après chaque mission, avant de couper l'épisode, on va aller voir à la forge si j'ai pas 2-3 trucs que je pourrais améliorer. Avec mes dernières récoltes, tout simplement. Mes récoltes et mes... mes récoltes et mes... loot, je vais y arriver. Alors, qu'est-ce que nous allons marteler? Très bonne question. Est-ce que lui, j'avais fait tout ce que je voulais ou pas? Oh, c'est stylé, mais c'est moins puissant. Donc, ma foi, on va rester sur ce que je lui ai déjà fait. Ensuite, est-ce que je peux forger de nouvelles armes éventuellement? Bon, on voit. Non. Qu'est-ce que... Non. A priori, ça, j'ai toujours pas. Les armures. Alors. Celle-ci est meilleure. Mais non, celle-ci, c'est... Ah oui. Alors je l'avais craft avant le crash et du coup ça s'est réinitialisé. Donc on va la refaire. Tout simplement. On équipe. Donc du coup le reste est moins bon. Donc on sera de nouveau des questodons, je pense. Hein, pour faire le reste du stuff. Et bien voilà, moins qu'on puisse l'améliorer du coup. Notre pièce d'armure juste ici puisque je viens de j'ai oublié de la sélectionner. On peut l'améliorer d'un niveau, donc c'est parti. Voilà, ça fera toujours un petit peu plus d'amélioration, même si elle n'a pas level up encore. Dès la deuxième pierre elle pourra level up. Donc on termine comme on a pris l'habitude sur un magnifique plan du ciel, après avoir forgé donc les derniers équipements, sans crash ce coup-ci, donc tant mieux. Du coup, je vous dis ciao ciao, c'était Baderas.